Salut, j'ai quelques minutes, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit mot gentil, hein, on n'a pas besoin d'attendre un mois de plus. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne dans quelques jours ou dans un mois, par contre. On commence? Je prends mes lunettes. Je prends la boîte. J'ouvre la boîte. Je tourne. Je prends le mot. Je ferme la boîte. De la boîte et nous regardons le petit mot du jour. Le dessin aujourd'hui, c'est deux mains avec deux morceaux de puzzle qui s'emboîtent. Et c'est une citation aujourd'hui de Catherine Mansfield. J'ai toujours eu le sentiment que l'immense privilège de l'amitié est de ne rien avoir à expliquer. Je répète, j'ai toujours eu le sentiment de l'immense privilège de l'amitié. J'arrive plus à lire, hein. Je répète, j'ai toujours eu le sentiment que l'immense privilège de l'amitié est de ne rien avoir à expliquer, ce qui n'est pas faux quelque part. Et c'est donc de Catherine Mansfield qui... J'ai oublié que c'était une actrice, non? De l'âge d'or d'Hollywood. Je sais plus. Écoutez, on va chercher encore et je vous mettrai le lien en dessous. Ouais, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. On a quelques minutes de plus. Alors aujourd'hui, je vous montre un petit bout de vie quotidienne japonaise. Ma fille vient d'entrer au collège. Alors le collège au Japon, ça serait l'équivalent de la cinquième en fait. L'école primaire dure 6 ans et le collège 3 ans. Et donc elle n'a plus besoin de son lancel, les fameux sacs d'écoliers japonais que les jeunes français adorent parce qu'ils ont vu ça dans des animés, j'en sais rien. Moi je suis un vieux... Je sais que les jeunes français se sont fous de Japon, mais on n'est pas même temps, on ne vit pas dans le même Japon. Leur Japon imaginaire, mon Japon réel sont deux mondes différents. Mais ils se rencontrent peut-être avec donc, le lancel. Voilà, landsel, je crois que c'est un mot hollandais à la base, donc je ne sais même pas comment c'est censé être écrit. Et donc voilà, c'est des sacs, donc très très cher. Il avait coûté plusieurs centaines d'euros il y a 6 ans. De très bonne qualité, il a 6 ans, il a servi tous les jours pendant 6 ans, il est encore en parfait état, juste ce côté-là est un peu jauni, mais c'est tout. Et voilà, donc je vous montre. Bien sûr, elle avait voulu rose avec des petits cœurs, des petits rubans, hein, comme une petite fille de 6 ans le voudrait, et puis quand elle a 12 ans, ben, ouais aussi. Et voilà, donc ça s'ouvre comme ça, il y a plusieurs ouvertures, celui de mon fils est un peu différent, ça c'est un truc vaguement magnétique avec un loquet en plastique, celui de mon fils c'est en métal. Du plastique dur, hein, donc pendant 6 ans, pas de problème. Et voilà, et l'intérieur c'est très simple, c'est juste c'est un peu abîmé à l'intérieur, c'est un peu moche. Une grande boîte, un grand et un petit ici. Peut-être qu'il y a des variations d'un truc à l'autre, je sais pas. Là, elle pouvait mettre des choses, je crois qu'elle n'a jamais vraiment rien mis. Et là, on met des livres et des cahiers, et puis voilà. Voilà, le lancel japonais, le vrai. Servi, non, énormément servi pendant 6 ans, très bon état. Elle m'en a fait cadeau, qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas, peut-être mettre des livres dedans et dans un coin de mon bureau, ça sera un petit côté sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour un autre petit mot. Bye bye!